C'est assez agréable dedans en fait. Ouais. Et au milieu aussi, c'est agréable. Ouais. Hein. Moi, je fais partie de Mendigaillac. Mendigaillac, c'est le bureau montagne des accompagnateurs du Pays Basque intérieur. On est basé à Saint-Jean-Pied-de-Port. Nous, on propose un paquet de randonnées, mais pour la plupart des randonnées, on ne pouvait pas donner accès justement aux personnes à mobilité réduite. Une joëlette toute seule, pour rien que monter la côte là, il faut être au moins 6 ou 7 personnes. Avec l'aide de la subvention de Mendibisillac, on est dit, ben, on passe le cap, on passe à la joëlette électrique. Alors la joëlette, donc, elle a une roue, ce qui permet de passer dans les chemins. Donc une personne devant, une personne derrière, a eu le moteur, elle avance toute seule à 3 à l'heure. Il suffit d'équilibrer. Donc du coup, c'est beaucoup plus confortable pour tout le monde. Et surtout pour Lou, là, qui a bien profité. Là, il faut pas que tu freines, là. Avec ça, voilà. D'où, tu as vu doucement, parce que sinon... J'accélère et je freine en même temps. Non, t'accélères plus là. Ah, d'accord. Là, c'est plus la peine d'accélérer là. Je freine. Okay. Voilà. Là, ça va ou... Ouais, ça va. Oui. Trop vite, hein. Non, c'est bon, même ça. Tu freines là ou pas? Si tu vois le sac qui bouge comme ça, c'est que ça va. Mais t'as pas trop besoin de freiner, je pense. Hein. Bah, je trouve que c'est super, c'est très confortable, non seulement pour nous, mais je pense que ça l'est aussi pour eux. C'est beaucoup plus stable. C'est vraiment top. Ouais. Les enfants sont très. Réactifs aux sorties en plein air et ont vraiment besoin de ça. Ça les recharge et ça les apaise. Doucement. Ouais. Voilà. Bravo Loulou. Et voilà. Et du coup, donc, ça fait 8 mois qu'on a la joëlette et l'objectif, ben, c'est de le proposer à tous les groupes, à la Rosée, donc des structures spécialisées, mais aussi à des écoles ou à tout public qui pourrait être empêché pour aller en montagne.